Et allez, on est parti avec un delivery 121 6 5 0. Je parle pas trop fort parce qu'il est assez tôt encore. Donc il est 7h39. Donc on part avec un peu d'avance pour arriver pas trop tard ce soir. Vous allez voir que le vol va être assez long et va être assez sportif à l'arrivée sur Dubaï. Incheon Ground, hello, good. Incheon Delivery, hello, good afternoon. Speed 1787, stand 122, request IFR cross to Dubai. Speedboat 1787 Incheon Delivery, stand by for your clearance. Speedboat 1787, let us check. Speedboat 1787, 5x5. Roger, stand by for your clearance. Speedboat 1787, frequency change, contact 1, collision monitor 121.6. Contact 12162, is that correct, Speedboat 1787? Monitor 121.6. Say again for the frequency for Speedboat 1787. J'ai rien compris là. Ok, copy that, Speedboat 1787, contact 121.6. 121. Yes, minus 6. Delivery hello, good morning, Speedboat 1787, stand 122, request over request to Dubai. On recommence puisqu'on change de fréquence à nouveau. Donc les 15. D'accord, les 15 seraient plus. Speedboat 1787, radio check. Speedboat 1787, 5x5. Speedboat 1787, ready to copy your clearance? Yeah, we are ready to copy. Speedboat 1787, clear to your destination, departure runway 15 right, be a low peak 1 kilo, then low peak, Yankee 697, then it's 5, climb flight level 370, clock 0111, read back. Ok. Ok, we are clear to Dubai via the runway 15 right. Via Osprey 1 kilo departure, runway 15 right, speedboat 1787. Speedboat 1787, departure runway 15 right, then Pinil 1 kilo, then Yankee 697. Alors, attendez, je vais rechanger, c'est pas la bonne. Alors, ouais, mais j'ai pas. J'ai pas. Speedboat 1787, I don't have pinion for departure. For the one way 15 right, is possible to taking Osprey 1 kilo departure? Pinil 1 kilo, pinil 1 kilo, Bravo India, November, India, Lima. Ouais, bah alors attends, je vais regarder parce que moi je l'ai pas. Putain. Alors. Ashana 331, stand by for your clearance. A delivery speedboat 1787, we are clear to Dubai. We have been in one departure, 1x15 right, and squawk is 0011 over. Speedboat 1787, squawk 0111. Okay, squawk 0111, speedboat 1787. Speedboat 1787, ready to correct to Incheon QNH 1001, call when ready for pushback. We call you when ready for pushback, Speedboat 1787. 7, ready for push. Korean Air 051, contact Incheon Ground 122.17. Contact
In Tango, 122 decimal 17 for my show. China Delivery speedboat 1787, stand 122, request push and start. Speedboat 1787, contact Incheon ground 121.65. Contact 12165, bye bye. Good evening, good afternoon, Incheon Delivery, Korean 2923, request status clearance to Dubai, information ARPA. Korean Air 29023, standby for delivery. Grand Hino, good afternoon, speedboat 1787, stand 122, request pushback. Station set by Air Incheon 001, contact Incheon Tower 118.2. Contacting Incheon Tower 118.2, bye bye, thanks for the move. Station set again, request sign for speedboat 1787, stand 122, request pushback. Speedboat 1787, squawk Charlie, pushback and engine start up to face east. Push and start up to face east, speedboat 1787, thank you. Alors je vérifie que le moteur est démarré. Running. Ça doit être bon. Boum, ça je l'éteins et on y va. Grand Speedbird 1787, ready for taxi. Speedbird 1787, taxi 21, far right, the taxiway, Alpha November, then Romeo 1. Okay, Alpha November, Romeo 1, Speedbird 1787, thank you. Donc Alpha Novembre, c'est cette bretelle là, voilà. Donc c'est cette bretelle là, droite. Donc Alpha Novembre, Romeo 1. Speedboard 1787. Ah putain, je suis sûr que c'est pas encore bon. Speedboat 1787, pass message. Speedboat 1787, right turn, taxi via Romeo 9, then Romeo 1. Romeo 9 and Romeo 1, speedboat 1787, thank you. Ouais, je le savais que c'était à droite. Ouais, droite, ouais, bah c'est... Incheon Apron, Incheon Apron 3-1, ready for push and start, stand 15-5-7-7-2. Incheon Apron 3-1, push back and engine start up to face north. Face north, Incheon Apron 3-1. Alors je vais mettre en top down view. Ah, quoique non, ça va aller mieux. C'est parce que c'est la scène qui est gourmande. En soi, elle est lourde. Donc là, ok. Speed about 1787, come for runway 15 right. Speed about 1787, I confirm 15 right. Speed about 1787, device taxiway, Romeo 4, Romeo 11, Alpha and Alpha 19. Okay, Romeo 4, Romeo 11, is that my right side, is that correct? April right side, Romeo 1-1. Okay, Romeo 1-1 and Alpha 1-9, thank you.
Alors là, par contre, faut que je regarde mes cartes parce que, à mon avis, le roulage doit être hyper long. Et en soi, on va perdre du temps. À moins que quelqu'un. Station 331, squawk bull Charlie. Ah oui, d'accord. Ah ouais. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, je vois ce qu'ils veulent me faire faire. Alpha novembre. Ah ouais, d'accord. Ils me font passer de l'autre côté. Oh les salopards. Putain. Ah, ils me font passer de l'autre côté. Complètement de l'autre côté. China 3, China 221, radio check. Mission 331, loud and clear. Roger, squawking the mode Charlie, China 221. Et j'espère pour eux qu'ils savent ce qu'ils font parce que ça ne va pas longtemps me faire rire parce que là normalement la One Five Right n'est pas celle qui prétendent. La One Five Right, elle est de l'autre côté, garçon. J'avais bien raison d'aller dans le bon sens. J'ai bien sélectionné One Five Right moi dans mon FMC. Speed about 1787, contacting Sun Ground 121-75 day. Contact 12175, is that correct? Speed about 1787. AFM. 12175, bye bye. Ouais. Je vais m'arrêter là. Ok. Alors, on a dit 121. On a dit 12175. Grand Hino, good afternoon, Speedbird 1787 at Alpha 11. Speedbird 1787, take it to runway 15 right via Alpha 09. Ok, via Alpha 9, Speedbird 1787, thank you. Alors, bravo, ok, bravo. Ouais, bravo Kilo. Alors attends, je vais juste regarder un truc hein, parce que avec le 787. Korean 051 contact Tower 1182. Contact Tower. Speed 1787 on taxiway Alpha. It is the Boeing 747-800 on my left side. Speedbird 1787, continue taxi. We continue taxi. Speedbird 1787. Monsieur, bonjour, bienvenue à bord de ce vol British Airways à destination de Dubaï. La durée de vol aujourd'hui, 10h approximativement. Nous serons contrôlés d'ici quelques minutes par la tour, puis l'approche PE centre en route qui nous donnera nos indications pour notre vol. Merci de nous avoir choisi, je vous souhaite un agréable vol, merci. Korean 951, taxi to runway 15, right via Alpha 9, Apollo, Silver, Boeing 787, your left side. Taxi to runway 15, right via Alpha. Question, Alpha 9, follow the speedboard is Boeing 787, Korean Airlines 51. Speedboard 1787, contact Tower 182. Contact Tower, Woman 82, bye bye. Inchon Ground, China 221, with you holding short at 7 echo. We will have 8 knots, runway 15 left, clear left. Clear land, 15 left. Canada 063 heavy. Tower, you know, good afternoon. Speedbird 1787 approaching Alpha 19er. Survey call sign 1787, Hinton Tower. Incheon Tower, Speedbird 1787, I confirm at approaching Alpha 19er. Speedbird 1787, line up in 3, 15 right.
Yeah, Alpha 190 and Lima Trot 15 right, speed 1787, thank you. Another line up and wait, line up and wait, 15 right. Yeah, I confirm, line up and wait, 15 right, speed 1787. Canada 086, you give us the instruction again, please. Canada 063, Hotel Oak Romeo 15 right, via Juliet. Oh sure, Romeo 15 via Juliet, Canada 063. Positive comms, gear up. Speedway 1787, contact for departure 119.75, have a safe flight. 119.75, ciao. Canada 063, contact. J'ai vu. Bonsoir à tous, ça y est, donc nous arrivons à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, après avoir poursuivi ce long voyage, ce long périple que tout le monde connaît, hein, donc une arrivée par Impet 3 Charlie Arrival. Alors, après, juste après cet atterrissage, vous retrouvez donc le débrief qui va un petit peu durer un petit moment. J'ai pas mal de choses à vous dire et à vous communiquer, donc restez bien à l'écoute à la fin de ce vol pour certains qui vont me suivre. Il y a beaucoup de choses à débriefer sur cet événement et par la suite, il y a pas mal de choses à vous communiquer derrière puisqu'il y a certains qui ne respectent pas les règles. Donc, je vous retrouve tout à l'heure en finale à Dubaï Tour. Allez, de retour, ça y est, nous arrivons à Dubaï et donc nous sommes avec Paul, notre responsable formateur qui nous a formé à l'aéroport de Dubaï pour en fait donc la RRSM. Comme je vous les avais expliqué sur ma chaîne, je vous l'avais suffisamment bien expliqué. Donc on est à 2000, clear last approach, 30 left, d'accord. Et donc là, bien normalement, tout devrait plutôt bien se passer pour notre approche. Donc voilà. Alors, par contre, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'ordinateur, quand il veut faire de ses siennes. Contact tower, 119.55, bye bye. Sir, if you don't mind, could you please set in the frequency for Express India 1342? Tower, good evening. Speedbird 1787 with you on approach 30 left and vacate key right. Speedbird 1787, hello to my tower, continue approach 30 left. Number one, plan to vacate left key right. 3 nœuds, vous avez vu, on a du vent de travers. Donc le but c'est. On va décraber en fait à la dernière minute et on va se fier aux lumières papy de piste. Continue approach 30 left. China 001, contact by ground, 118.35. Contact to ground, 118.35, good day, China 001. Good day. Kiba Tower, L, China 777, localize the runway 30 left. China 777, hello Dubai Tower, continue approach 30 left. Number 2, plan to vacate left, QA. Clear, approach runway 30 left, air channel 2. Oula. Yeah.
Et on atterrit. Landing. Diesel. Rollout. Donc, 3-0 left, established. Yeah, on a troupe, so. Bon, on a raté. Air China 777, continue approach. Number 1. Number 1, air China 777. On a fait combien? Moins 202, flaps 9. Eh bien, bienvenue à Dubaï! Alors, chez l'atterrissage, ça n'a pas été terrible. Le lock n'a pas voulu se localiser, donc on a fait à l'approche. Donc voilà, donc j'étais un peu obligé de sévèrement piquer. Alors d'habitude, c'est pas dans mon habitude de faire ça, mais là, avec le 787 et le bug technique qu'on a eu tout à l'heure, je sais que les températures sont si élevées, ça n'aide pas les PC en ces fortes chaleurs. Donc les PC n'aiment pas trop être bousculés et n'aiment pas trop avoir de chaudes températures. Ça, les PC... Voilà. Speedbird 1787, welcome to Dubai, taxi right on Kilo, contact ground 118.35. Right into Kilo, contact ground 118.35, bye bye. Bye bye. Air China 777, surface wind 270 degrees 6 knots 3 is a left clip. Clip left. Dubai ground, hello, good afternoon, Speedbird 1787, with you. 1787, hello Matthew, bonjour, welcome. Right Kilo stand Foxtrot 14. Ok, Kilo Foxtrot 14, Speedbird 1787, salut, hello Karim. Yeah, bonjour, salut. Salut. Ah, c'est cool d'avoir des contrôleurs comme ça. Merci à Karim, c'est super sympa. Voilà. Donc, bienvenue à Dubaï. Alors, au niveau du débrief, on va en parler juste quelques minutes. Et vous aurez. Ok, 5412, looks all clear for you now. Taxi to holding point, Kilo 14, visor, hold for short, visor left. One switch in the holding point, contact tower on 11955. Donc Kilo et puis donc Kilo, donc Capote Kilo donc qui sert pour les arrivées et Zulu qui sert pour les départs. Oh, I need that. Thank you very much for flying. Bye-bye. Ah, c'est sympa le contrôleur qui est à Dubaï, c'est super cool. Donc Karim, merci donc à Furkan, merci à la VSC jordanienne de Vatsim. Donc au directeur donc, de la VSCC jordanienne, bien que ça a été un petit peu accéléré. Alors je vous ai pas mis le moment de vérité, le moment où ça bousculait sérieusement. Donc voilà, on a pu faire le vol en entier. Alors on a eu quelques bugs techniques. Alors petite information pour ceux qui ont FSX, je vous conseille de télécharger l'utilitaire Jab FSX. Ça vous sauvegarde votre partie toutes les 5 minutes, toutes les 5 à 10 minutes. Alors je sais, ça consomme énormément, ça fait friser le simulateur, c'est normal. Ce qui sauvegarde en fait votre partie. Donc voilà, donc en fait ne vous posez pas 10 000 questions sur ce qu'il fait. Donc voilà. Donc on est clear sur Foxtrot 14, et bah comme d'habitude. Et donc on repartira demain direction la Suisse pour le Swiss Virtual Tour. Alors vous aurez quelques petits extraits hein, des vols. Vous aurez. Je vais réfléchir si je vous mets tout ou pas. Ça, je vous redirai là-dessus. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé sur cet événement-là, en globalité. Bien que j'étais un petit peu dommage, j'étais un petit peu sur ma faim concernant la Chine. Air China 001, I can find the stand Foxtrot 1, the Foxtrot 5 is available. Air China 001, take any stand to your left, any stand to your left. Air China 001, we are now in Kilo Nano with you. Air China 2000 is confirmed, stand Foxtrot 18. Welcome to Dubai, good evening. Yeah, confirm, stand in Foxtrot 1, Air China 2000. Déverrouillage des portes, désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée, bienvenue à Dubaï, bonne soirée.
stopped. Voilà. On va mettre notre ground power. Available on. Et on va pouvoir éteindre nos moteurs. Voilà. Et je vais contacter le sol pour dire qu'on est à la porte. Speedway 1787 at the ground, Foxtrot 14 for leap the frequency. Merci, bonne soirée, salut Karim. Voilà, cet événement donc pour cette partie prend fin. Dans quelques minutes, vous retrouverez donc le débrief qui sera commenté par moi. J'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup d'annonces à vous faire. Attention pour certains, je suis encore désolé, mais il y en a qui vont encore... Allez, on est parti pour ce débrief donc de cet événement entre Incheon et Dubaï. Alors, plusieurs choses à dire pour les Chinois. Donc, il y en a qui parlent français et qui vont un petit peu comprendre ce que je dis. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc, à Incheon, ça a été catastrophique. Je pèse mes mots là-dessus. J'ai été extrêmement déçu, de leur capacité de contrôle. Ça n'allait pas du tout, d'accord? Mais quand je dis du tout, ils sont extrêmement fermes. Alors, moi, je veux bien beaucoup de choses, mais quand il y a des avions qui disparaissent dans les espaces aériens, là, par contre, on dit rien, hein? Par contre, lors d'événements, on est beaucoup plus drastique. Alors, je veux bien qu'il y ait eu des choses et d'autres, je veux bien, hein. Mais, moi, je suis désolé. Mais... Donc, au niveau du roulage, alors, là, j'ai rien compris. Il aurait été plus judiciable, j'étais en porte 122 au départ, il aurait été plus judiciable de me mettre le nez à l'ouest, d'accord, de me faire rouler là, d'accord, et de me faire prendre la bretelle alpha directement. Qu'est-ce qu'on vient me faire faire? Un repoussage à l'est, on me fait rouler comme ça, hop, on me fait revenir sur mes pas, donc traverser un autre terminal, puis revenir en bretelle bravo, puis en revenir en bretelle alpha. Faut m'expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que contrôleur delivery ne s'est pas coordonné avec le contrôleur sol. Dommage. Extrêmement dommage, parce que là-dessus, il y a eu trop de fautes. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait eu bien trop. Alors, donc j'étais sur le taxiway bravo, on m'a quand même rappelé à l'ordre. Le taxiway bravo, le voici. On m'a rappelé alors d'aller sur Alpha. Ouais, d'accord. Alors, j'ai tourné à gauche, j'étais sur Alpha. Je suis tout à fait d'accord. Ici, j'ai eu la chance, soit ici, je crois que c'était là. Là ou là. Non, c'était là. D'avoir un avion, un 747 me laissait passer. D'accord. J'ai eu énormément de chance. Ça, là-dessus, pas de problème pour le décollage. Maintenant, je vais parler du centre de contrôle en route. Ça a été dramatique. Et là aussi, je pèse mes mots. Parce que rien ne va. Alors, il faudra m'expliquer comment le centre de contrôle en route de Beijing peut me modifier un plan de vol qui a été approuvé au départ d'Incheon et dont il y a eu zéro, mais je parle bien du mot, il y a eu zéro coordination. Au niveau de la coordination, c'était dramatique. Au niveau de la coordination, moi j'ai regardé, ils étaient tous perdus. Alors, il y en a qui sont partis donc de Beijing, donc dans la région de Pékin, qui sont montés au nord par la Mongolie, puis après qui sont redescendus par la Chine, et après, qui nous sont, on s'est tous croisés sur la région du Pakistan, donc d'Islamabad et tout ça, mais en fait, le problème, c'est que, si vous voulez, moi, le plan de vol, je l'avais déjà préparé hier soir, pendant 24 heures, donc le plan de vol était déjà tout prêt, d'accord? Donc la route initiale, en fait, devait faire ça, devait filer en fait ici tout droit en fait, donc vous prenez donc la région de Shangqi, vous passez plus au nord de Ningxia et vous filez vers les reliefs montagneux, d'accord. Donc en fait, eux, ils m'ont fait quoi? Ils m'ont fait depuis hôtel Charlie Hotel, ils m'ont donné une autre route, d'accord. Regardez ces formes là, c'est pas beau du tout, c'est pas beau du tout. Là, ils m'ont redonné un autre truc, mais d'accord, mais encore une nouvelle fois, Le plan de vol, il a été approuvé. Qu'est-ce que vous m'envoyez d'autres plans de vol en route? Ça, là-dessus, je comprends pas. Faudra m'expliquer.
Ça là-dessus, il n'y a rien qui va. Au niveau du centre de contrôle en route de Beijing, c'était dramatique. Pakistan maintenant. Eh ben Pakistan, j'ai été agréablement surpris parce que ça s'est super bien passé. Très très bien et pas de problème. Alors ici, on a un peu lagué. Ici, au niveau du start log, on a un peu lagué. Donc en fait, on s'est rapproché donc de Mascate, du golfe de Mascate, pour après en fait faire un hold à Impet. Donc vous voyez le hold qui est fait ici sur Impet. Impet 3 Charlie Arrival, 3-0 left. D'accord, donc on a extended nos flaps, d'accord, et le touchdown qui a été fait à moins de 103 pieds minutes, qui a été fait sur le côté gauche de piste, mis en nice touchdown landing, en autobreak 2, et j'ai dégagé, d'accord, donc kilo 8, en fait, donc ça fait donc kilo 11, kilo 10, kilo 9, kilo 8, kilo 7, kilo 6, Donc en fait j'ai dégagé à kilo 6, donc désolé pour le contrôleur qui s'attendait à ce que je dégage pour kilo 8, j'allais bien trop vite pour dégager à kilo 8, donc désolé, ça voilà, j'ai pas pu faire autrement. Et donc après on a roulé sur la bretelle de taxiway, kilo pour la porte F14. Alors en soi, Dubaï ça s'est super bien passé, vraiment super bien passé, très professionnel. Très très bien, en soi très très bien, j'ai juste été obligé de jouer du heading, parce qu'en fait ma navigation latérale et verticale était perdue, et je sais pas pourquoi, suite au bug du 787 quand il a perdu, en fait l'ordinateur s'est frisé et le simulateur s'est frisé en même temps, perte de communication entre FS, UPC et tout ça, faudra que j'envoie pourquoi ça fait ça. Donc, en briefing, Incheon c'est dramatique. Mais je pèse mes mots, n'allez pas dans cette région-là, parce qu'ils ne savent pas contrôler, ils sont super exigeants. Par contre, quand on perd un avion en l'air de l'ordre de 35 000 pieds, et que derrière on modifie des vous voyez, c'était typique. Le problème, c'est qu'ils vont modifier des plans de route qui sont déjà approuvés par le contrôleur delivery. Mais si le contrôleur delivery l'a approuvé, le plan de vol... T'avais pas à le changer, le centre de contrôle n'avait pas à le changer, juste de faire des radars identified, meeting VAT 350. Alors là aussi, je n'ai absolument pas compris leur manière de contrôler. Alors j'étais à 40 000 pieds, il faut savoir qu'ils m'ont demandé de monter à 100 pieds de plus, à 40 100 pieds. Alors si vous voulez, l'avion faisait des dancy au niveau du variomètre. À un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis réglé sur 40 000 et on m'a à nouveau engueulé. Oui, mais monsieur, faut être à 40 000 100. Alors, je vais m'exprimer par rapport aux Chinois qui me regardent. Ça là-dessus, niveau de pilotage et niveau contrôle, les mecs, il y a tout à revoir, il y a tout à péter. Là-dessus, je peux même pas. En fait, là-dessus, c'est complètement dommage d'avoir des gens qui ne savent pas contrôler dans l'espace aérien de Beijing et dans l'espace aérien de la Chine. C'est extrêmement dommage. Donc ça là-dessus, en termes sur l'événement, ça pour moi ça m'a gonflé quoi. Être parti à 8h du matin, enfin 7h30 du matin, et arriver que maintenant à 17h, alors j'ai gagné ma soirée, je suis d'accord avec vous, donc vous aurez la vidéo plus tard dans la soirée, puisque je vais la mettre à 23h pour certains qui vont se poser la question, le temps que je monte tout ça. Honnêtement, pour parler peu, parler bien, je suis extrêmement déçu de certaines choses. Au niveau du contrôle de Beijing, dramatique, il y a tout à péter, il y a tout à voir. Je comprends même pas comment en Chine on peut laisser les gens... genre à 40 000 100 pieds, par exemple, il y avait un avion à 35 000, on lui a demandé de monter 36 000. Ouais, d'accord, ok, bon, ça là-dessus, j'ai rien à dire. Mais il y en a un autre qu'on lui a demandé 35 000 100 pieds. Non mais les mecs, vous m'expliquez là, les mecs, où ça se passe comment? Là, en fait, les Chinois, ils se sont complètement plantés. Alors, honnêtement, je n'en mets pas la pierre parce que, honnêtement, là-bas, c'est pas terrible. Donc, moi, en termes de bilan, alors, l'avion, bon, le 787, il a énormément déconné. Du début jusqu'au milieu du plantage, voilà, heureusement que j'avais sauvegardé ma partie. Merci, FSX. Donc, en fait... Vous voyez, donc on a restarté là, d'accord, donc on est resté à 35 000 pieds, hein, tout le long, on était à 43 000, on est redescendu à 35 000 d'un coup. Donc voilà, bah oui, forcément. Et donc là, vous avez donc le hold sur Imped, donc on m'a demandé de suivre la route Imped 3 Charlie Arrival, one way 30 left. Et donc là, vous voyez, donc on a suivi correctement la verticale donc d'Imped. Et donc on s'est établi en piste 30 gauche. Ce que je veux dire d'entre tout ça, l'événement en soi n'est
c'était pas compliqué. Mais en soi, les contrôleurs de la Chine, ils m'ont gonflé au plus haut point. Mais je pèse mes mots là-dessus au niveau du gonflement, ils m'ont énervé. Parce que parce qu'il n'y a rien qui va. Parce que tout simplement, vous faites monter un avion à 40 100 pieds, par exemple, vous voyez un avion à 35 000, vous lui demandez subitement d'un coup de lui mettre à 35 000 100 pieds. Mais le problème, c'est que c'est plus consommateur. Et le problème, c'est que ça fait des densi entre le variomètre et votre carburant à bord. Donc moi, il me restait 50 tonnes quand j'ai atterri. Vous voyez, il ne restait pas grand-chose. Hein. Mais en soi, il faut préparer ces plans de vol au moins vachement longtemps à l'avance. Voilà ce que j'avais à dire sur l'événement. Maintenant, deuxième partie de notre débrief, et je voudrais m'exprimer sur certaines personnes qui me suivent sur mon Discord, et certaines personnes nouvelles qui viennent sur mon Discord, et je remercie donc ces gens qui sont arrivés. Donc, alors, j'ai des gens qui sont intelligents, hein, humains, qui comprennent ce que je leur dis. Alors, il y en a certains qui m'ont contacté cette semaine, et là, je m'exprime pour la VAT France directement. Alors en fait, si vous voulez, pour vous faire comprendre, parce que j'ai eu énormément de questions et je vais répondre donc directement à SFTX Developer, je vais lui répondre. Alors en fait, c'est pas une question, en fait, si tu veux, ce sont des gens qui ne sont pas capables de piloter en soi et ce sont des gens qui critiquent énormément, qui ne font pas les events. Et en fait, si tu veux, cette histoire, comme je te l'ai dit, je t'invite à regarder toutes les vidéos que j'ai publiées à ce sujet-là et sur ce sujet-là. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que ce sont des haters, ce sont des gens qui n'ont rien que ça à foutre que de faire chier les gens. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont aussi posé la question, comment ça se fait que ton serveur, tu peux le block et tu peux le lock à tout moment. Alors, avec Service Ride Protect, moi, je suis très content de leur service. Jusqu'à maintenant, mon serveur, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Écoutez, jusqu'à maintenant, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Et honnêtement, bravo pour la qualité de leur service de Raid Protect. Vraiment, bravo pour eux. Parce que, ça fait le boulot. Et ça calme certains qui mettent, par exemple, des captcha qui sont incorrects. Ça expulse directement. Et il y en a beaucoup qui se posent la question quand il y en a qui sont venus. Donc, il y en a un, Spotter Avion HD, qui est venu. Bon, on sait qui c'est. Hein. On sait qui c'est. Je vais pas donner le nom de la personne. Mais bon, c'est un petit gamin qui, pareil, lors de mon vol entre Dubaï et Incheon, s'était mis au milieu de la piste pour me bloquer. Et donc avait insulté des gens de ma famille librement sur l'Unicom. Donc de fait, moi j'ai contacté la VAT France qui m'a très gentiment renvoyé une adresse mail là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne crée déjà de multiples comptes et emmerde des gens. Et se permet donc d'avoir des comportements hautains. Donc voilà, donc c'est un mec qui ne sait pas du tout piloter et en VFR et en IFR. Moi, quand je vois Céline Diegreich, je suis très très inquiet. Même moi, alors là aujourd'hui, je ne prends pas l'exemple sur mon landing rate parce que je l'ai trouvé complètement à chier. Parce que piquer comme je l'ai fait, honnêtement, c'était pas à faire. Le glide slope, j'étais pas du tout établi. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Normalement, j'aurais dû être établi. Là, il ne s'est pas établi. Pourquoi, je ne sais pas. En soi, voilà, moi je sais faire une approche visuelle. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, ce que je veux vous faire comprendre d'entre tout ça, c'est que pour certains, les événements comme ça vous montrent le professionnalisme des contrôleurs et vous montrent le professionnalisme de certains pilotes. D'accord ? Alors moi, je me prétends pas pilote pro encore une nouvelle fois, mais je tiens à être très clair. Moi, les emmerdeurs, je ne veux pas bosser avec. Moi, ces gens qui cherchent les emmerdes et qui cherchent les nœuds à la tête, moi, ça n'a pas lieu d'être sur mon Discord. Alors, concernant la sécurité de mon serveur et concernant mon Discord, alors en fait, quand j'ai activé le mode raid de mon serveur, alors en fait, Discord, vous allez sur le lien, et en fait, au moment du raid, si le raid est activé, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas, en fait, à l'étape de vérification, en fait. Vous rentrez et vous ressortez, en fait, directement, en fait, par automatisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez des gens qui sont autistes, qui ne comprennent pas les règles de Discord, ni même les règles d'Internet, eh bien, on est obligé de leur couper les vives. On est obligé de leur dire, eh bien, écoutez, vous êtes des gamins dans votre tête. Eh bien, écoutez, puisque vous êtes des gamins, et puisque vous comprenez pas quand on vous parle français, on va vous couper Internet. On va vous couper l'accès à notre Discord, le temps que ça se calme. Alors, ça prend des 4, 5, voire 6 heures.
Alors, il y en a qui me disent, oui, mais c'est extrêmement rude, pourquoi tu verrouilles l'accès à des personnes qui veulent venir sur ton serveur? Bah, parce que tout simplement, quand vous avez des gens qui raident, avec des faux comptes, avec des gens qui vous insultent, avec des gens qui créent des pseudos à tire-larigot, la sécurité de Raid Protect veut qu'au bout d'un certain nombre d'utilisateurs, je crois que c'est basé à 9 utilisateurs en moins de 10 minutes qui raident avec des faux comptes, le serveur se met en automatique et se met en mode raid. C'est-à-dire que en gros, à partir de là, vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir du serveur. Et à partir de maintenant, en fait, pour certains, il y en a qui ont posé la question, mais comment tu fais pour lock des salons? Alors, bah, locker des salons, ça partient donc de la documentation de Raid Protect que vous trouvez sur leur site internet. Je vous mettrai donc le site internet en barre d'infos, d'accord? Mais en soi, le service, jusqu'à maintenant, j'en suis pas... jusqu'à maintenant, moi, je le recommande à tout le monde parce que ça fait son boulot et parce que certains ne veulent pas l'installer. Tant pis pour ceux qui veulent avoir des serveurs qui sont pas sécurisés, mais c'est à vos risques et périls, et c'est à vos risques et périls de vos utilisateurs. D'accord? Ensuite, au sujet donc des gens qui ne m'apprécient pas, alors je vais répondre sur ce qui s'est passé cette semaine. Comme vous le savez, donc deux petits haters, des malins, se sont permis d'aller contacter la VAD France pour m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Alors, pour revenir par rapport à ça, ce sont des gens qui sont désœuvrés, qui ne font que chier les gens et qui sont tout simplement jaloux et qui ne font pas les events et qui ne sont pas capables de piloter correctement et qui prétendent avoir des qualifs sur A320, excusez-moi du peu, mais quand on ne vient pas sur les events et quand on n'est même pas capable de poser correctement ni même de donner des phrases au correct et derrière de s'inventer de multiples vies sur d'autres serveurs, je ne vais pas donner le nom de ce serveur qui m'a été... dit, hein, on m'a appelé gentiment à l'ordre en me disant que voilà, ils voulaient pas être affiliés à ça, ce que je comprends. Mais encore une nouvelle fois, vous avez des gens qui sont humains, qui sont capables d'être humains, et qui sont capables d'entendre les choses, et vous avez des gens qui sont capables de prendre conscience et de prendre la notion du problème en fait. Donc ça là-dessus, un grand bravo à ceux qui modèrent ce serveur, parce que c'est pas évident, et parce que voilà, vous avez toujours des petits gamins qui se la racontent, qui voilà, qui se prétendent pilotes pro dans la vraie vie, ils ont aucune licence, ils ont aucune licence instructeur, et qui donnent des leçons de pilotage. Voilà, c'est juste dramatique, hein, en soi, voilà. En soi, moi, ce que je vais dire, c'est que, voilà, ces gens-là ont fait la même chose que sur IVAO France. Maintenant, voilà, je sais qui est à l'origine du piratage informatique, et je sais qui est à l'origine de celui et des personnes qui ont volé mon identité, qui se sont fait justice eux-mêmes, d'accord? Là, maintenant, j'ai tous les éléments. Malheureusement, les gens parlent trop. Trop facilement pour moi, qui ça me laisse des tonnes d'indices, mais vous imaginez même pas. Donc voilà, en soi, voilà, j'ai vu leur manière de fonctionner, j'ai vu leur manière d'agir. Donc je voudrais être très clair dans mon message et dans la fin de ce débrief, hein, pour être vraiment de manière très courte. Moi, je suis pas quelqu'un à problème. Cependant, moi, je ne suis pas d'accord avec leur manière de fonctionner. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant. Ce sont des haters, ce sont des gamins qui voilà, agissent dans le but de nuire à la personne par jalousie, hein, c'est de la jalousie, ni plus ni moins. Donc voilà, ces personnes-là m'ont sali vis-à-vis des staffs donc de la division française qui, à ce jour, m'ont banni à vie, hein, ce qu'il faut savoir. Donc je ferai appel prochainement de cette décision auprès de Batim et auprès donc des défenseurs des droits en France, puisque c'est illégal, et auprès donc de la Commission nationale informatique et liberté pour avoir bloqué mon compte et pour m'avoir banni à vie sans même de raison explicative. Je vous rappelle quand même rapidement, pour ceux qui modèrent des serveurs ou ceux qui tiennent des réseaux d'aviation, je vous rappelle que bannir une personne en fonction de son physique, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses mœurs ou en fonction d'autres choses est strictement et formellement interdit, d'accord? Donc pour certains qui ne comprennent pas les choses, qui ne comprennent pas les lois en France, je vous invite à les relire et je vous invite à arrêter, pour des adultes, hein, des seniors, à arrêter de jouer les autistes de base, d'accord? C'est-à-dire que je pense que vous avez reçu une éducation pour certains. Il serait bon et simple d'arrêter de jouer les autistes de base, ok? Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, concernant l'annonce importante, écoutez bien, c'est très important et vous allez comprendre parce que aujourd'hui, on change du tout au tout sur notre Discord. Alors, écoutez bien pour ceux qui vont suivre ce débrief. C'est très important. Alors,
En partenariat donc avec Aswissair, en partenariat avec Anybuild et en partenariat donc avec Vatsim et les contrôleurs donc de Zurich, ainsi que les contrôleurs qu'on va avoir tout au long des dates suivantes que je vais vous donner, qui démarrent dès le 16 août, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 août 2020. Nous allons faire l'événement sur Vatsim, le Swiss World Tour Summer 2020 en partenariat avec la Swiss Virtuelle. Je suis extrêmement content et extrêmement honoré de pouvoir partager cet événement-là avec eux, bien que la British Airways à ce jour n'organise pas d'événement concret pour l'instant sur Vatsim. Mais en soi, je suis extrêmement content de cet événement qui prévoit. Et donc, je vais partir donc moi-même avec des pilotes donc de la Swissair à l'aéroport de Zurich. Donc notre première date est fixée, on se donne rendez-vous le 16 août à partir de 22h30 au départ de Zurich et nous arriverons donc notre prochaine arrivée qui est Katmandou, donc au niveau du Népal, donc voilà, donc dans les montagnes. Alors pour certains qui ne connaissent pas Katmandou, l'approche à Katmandou est extrêmement spéciale et spécifique. Parce qu'en soi, c'est une approche qui demande de la concentration, c'est une approche qui, en fait, se fait par le relief montagneux. Il n'y a pas de faux plat. Le seul faux plat que vous avez, c'est après les montagnes, d'accord ? Donc, il faut avoir de très bonnes perfs pour pouvoir décoller. Katmandou, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, je sais que ça s'est plutôt bien passé. Il faut jouer du heading, ça c'est sûr, parce que je l'ai fait avec un youtubeur français. Et je sais qu'à Katmandou, quand j'ai découvert la première fois, j'ai dit « Ah oui, d'accord ». Donc voilà, donc la liste donc, des aéroports que je vais vous donner, vous allez voir qu'on va beaucoup voyager entre le 16 et le 23 août, c'est pour moi un honneur de pouvoir faire ça avec eux, et c'est pour ça que je voulais vous en parler directement ce soir lors du débrief, parce que ce sont des nouvelles qui sont très importantes, et dont pour certains, il y en a qui m'ont demandé de filmer lors de ces événements-là. Eh bien écoutez, je vais vous répondre, il n'y a aucun souci, vous allez avoir tous les épisodes, mais attention de manière coupée, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment des petits films, quoi, histoire de, voilà, vous allez avoir, je crois, la partie du décollage, la partie d'atterrissage, basta, vous aurez pas, vous aurez juste ça, quoi, partie roulage, partie décollage, partie atterrissage, ça fait 20 minutes, voilà, pas plus, pour certains, ils vont dire, 20 minutes, c'est court. Alors, le programme, le voici, première destination, Zurich, Katmandou, le lendemain, arrivé à 8h15, donc, arrivé à 7h45, redépart à 8h20. Départ de Katmandou, direction Zurich, arrivé à 17h20 à Zurich. Départ de Zurich à 18h10, destination Bali, en Indonésie. Donc, à Bali, vous arrivez à 8h30, vous repartez à 9h05. D'accord, donc ça vous laisse un bon 20 minutes, histoire d'aller déjeuner tranquillement et de vous prendre une petite douche bien fraîche, à la fraîche, et de partir tranquillement, tranquille ou pépère. Vous arrivez le soir à 22h35 à Zurich. Vous repartez à 23h de Zurich, vous allez à Cape Town. De Cape Town, vous repartez à 10h30 pour arriver à 22h à Zurich. Vous repartez, et là c'est la mauvaise nouvelle, parce que vu comment ça s'est passé à Incheon, je suis très en colère sur la manière de contrôler, et très déçu de leur manière de contrôler et haut de piloter pour certains contrôleurs. Donc, départ de 22h30, donc le 19 août, de Zurich, arrivé donc à Incheon à 9h30. Vous repartez à 10h05 d'Incheon, vous allez à Zurich, l'arrivée est à 22h15. Et donc de Zurich, 22h45, destination Plus, arrivé à 14h35, en heure française. Bien entendu, tout ça est en heure française, tous les horaires que je vous convertis, vous pourrez les retrouver aussi en barre d'infos, vous inquiétez pas, il suffit juste de faire un simple calcul pour ceux qui savent calculer. Le 21 août, vous partez de 16h30 à 16h30 de Perth, vous arrivez le lendemain matin, donc le 22, à 8h55 pardon, à Zurich, vous repartez à 13h de Zurich, vous allez à Denver donc aux États-Unis, dans la partie du Colorado. Arrivée 23h40, vous repartez à minuit 10 pour une arrivée à 9h30 à Zurich et vous repartez donc de Zurich destination Bogota et de Bogota vous allez à Zurich. Donc voilà, donc après donc vous aurez tous les horaires en soi sur la barre d'infos, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations qui peuvent vous aider. Voilà pour les informations et pour les news. En soi, moi sur l'événement Incheon Dubai, ce n'est pas à refaire.
Bravo par contre aux contrôleurs de Dubaï, mais contrôleurs de la Chine, il y a beaucoup de choses à revoir. Énormément de choses à revoir. Bravo aux contrôleurs aussi du Pakistan, ça n'a pas été évident. Voilà, moi je suis parti à 7h45. À peu, enfin, 7h45 au temps du repoussage, vous comptez 8h05 au temps du décollage. Ce que je veux vous dire à travers tout ça à Incheon, et ce que je veux faire comprendre, c'est qu'au niveau d'éclairance, ça n'a pas du tout été. Parce que quand vous faites release d'un avion, quand vous lui faites faire un pushing back facing east, d'accord, donc normalement votre nez, il est par là. Ah pardon, il est, oui non, il est par là, autant pour moi. Et donc, eh bien automatiquement, votre nez, il est face à l'est, quoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ils m'ont fait faire tout le détour, d'accord, et hop, ils m'ont fait traverser à Alpha. Alpha était là, hein. Alpha, il aurait été beaucoup plus simple de me dire left into Alpha, continue straight ahead via Alpha, Alpha Niner. Non, eux, d'un coup, tout droit, allons-y gaiement. Taxiway Bravo, ah bravo, on me rappelle, monsieur, vous êtes sur le taxiway Bravo. Oui, d'accord, et donc? Bah, c'est pas le bon. Bon, ah, d'accord, alors faut tourner à gauche. Bon, taxiway Alpha, ok, pourquoi pas. Alors, ok, là, sur ce coup-là, bon, ok, j'étais en faute. Ça, ok, là, d'accord. Mais au niveau du centre de contrôle en route, j'ai pété un câble. Parce que c'était n'importe quoi. N'importe quoi de modifier un plan de vol à haute altitude, moi, j'ai jamais vu ça. Honnêtement. Pour vous en parler directement, j'ai jamais vu ça. Moi, quelqu'un qui me donne un plan de vol comme ça, à haute altitude, qui me dit « Ah oui, oui, il faut le changer, vas-y, vas-y. » D'accord. Sauf que le plan de vol, il a quand même été approuvé par Incheon Delivery. Alors, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que la stupidité des niveaux de contrôleurs, là, parce que c'était de la stupidité, c'était de la bêtise humaine. Le mec, il me donne un autre plan de vol, tu vois, tranquille. Alors, le plan de vol initial faisait passer, en fait, donc là, tranquillement, le décollage donc de la 15, d'accord, donc c'était la 15 de droite, au départ. Donc, à partir de là, hôtel Charlie Hotel, on traversait le pays, donc là, jusqu'à là, rien de normal, enfin, jusqu'à là, rien d'anormal, pardon. Ça nous faisait juste aller tout droit là, sur au-dessus de Ningxiang, le relief montagneux, d'accord. Et après, on venait sur notre route initiale. Et là, en fait, eux, ils m'ont fait faire quoi? Ils m'ont fait faire... Non. Non, les mecs. Non. Les plans de vol, il faut savoir, et je l'ai expliqué, je crois, je les prépare 24 heures à l'avance. Pour certains, c'est toujours pas compris. Pour certains, il y en a, il faut le répéter, tous les plans de vol sont préparés 24 heures à l'avance. C'est-à-dire que les vols internationaux, comme celui qui est prévu, la première destination Zurich-Katmandou, ça va être préparé 24 heures à l'avance. Hein. Ça va pas être préparé une heure avant. Non, non, c'est préparé 24 heures à l'avance parce qu'il faut le roulage, il faut les quarts de roulage, il faut connaître l'avion, il faut connaître le carburant, etc., etc. Pour certains... Putain, pourtant j'avais communiqué. Hein. Mais bon, c'est pas compris. Donc voilà, donc j'étais bien content après d'avoir été libéré par Beijing de sortir de leur espace aérien parce que j'en pouvais plus. D'être libéré par. Enfin, d'être pris en charge par. Mince, comment ça s'appelle? C'est pas Islamabad, c'est le centre en route du Pakistan, c'est Lahore Control, qui a très très bien fait son boulot, bravo à lui, parce que c'était très bien et parce que c'était très bien organisé. Par contre, à Oman, juste petite chose, alors j'ai pas trop compris pourquoi on m'a demandé de faire des left-hailing, right-hailing, ça faudra m'expliquer, alors peut-être que j'étais pas tout seul, ce que je pense. Il y avait beaucoup de monde en soi. Là, donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, le hold à Imped. Donc vous pourrez télécharger donc, toutes les datas sur mon serveur et vous pourrez les télécharger donc, en barre d'infos aussi. N'hésitez pas à les télécharger, à les regarder. Donc voilà, le respect des consignes et le respect des checklists ont été appliqués à la lettre. D'accord. Donc là, alors, attention parce que là, vous voyez, c'est mal conçu. Vous voyez, là il y a de la terre, vous voyez pas pourquoi. Donc là, voilà. Je vais en profiter. Donc là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais c'est juste très pénible d'avoir ça, mais c'est pas très grave en soi. En soi, moi ce que j'ai envie de vous dire derrière, c'est que moi, en ce qui me concerne,
Sur cet événement-là, j'étais extrêmement professionnel. Après, j'ai envie de dire, j'ai pas été gêné par des kicks ou lol, tant mieux. Espérons, parce que là, je suis en train de travailler avec des partenariats avec beaucoup de VA actuellement, qui suivent mes photos. Là, je vais en publier tout à l'heure sur Insta. Voilà, qui suivent mes photos, qui suivent un peu toutes les actualités du serveur, qui suivent les actualités donc de mon Discord. Voilà, moi ça me fait extrêmement plaisir, voilà, d'avoir des gens humains qui suivent mes capacités de pilotage et qui suivent tous les événements. Pour moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est du travail et il y en a qui ne le respectent pas et malheureusement il y en a beaucoup qui parlent sans rien dire. Au niveau du touchdown, alors il y en a qui vont me dire oui mais t'étais trop, t'aurais dû faire une remise de gaz. Alors oui, je suis d'accord, sauf que j'avais une flemme monumentale de leur faire un go-round, je veux dire, la visuelle était plutôt conforme. Oui, je piquais, mais c'était dangereux, je peux le concevoir. Mais en soi, voilà, il n'y avait rien de dangereux qui pouvait voilà, incriminer le problème, quoi. Voilà, donc le touchdown, il a été fait à moins de 103 pieds minutes, d'accord. Donc l'autobreak était à 2 et c'est marqué « The aircraft touchdown at this point, nice touchdown landing ». Ce autobreak was set to 2, donc ça veut dire qu'en fait les autobreaks étaient placés sur 2, comme vous l'avez vu, et donc on a freiné calmement, sans problème, pas d'avion sur la piste. Encore heureux parce que je peux vous garantir que les superviseurs qui étaient là, il fallait suivre le mouvement pour certains. Par contre, alors la coordination entre Mascat et UAE n'allait pas du tout. Pourquoi ? Parce que quand UAE East m'a demandé de descendre un coup au niveau 2 Unity 0 puis niveau 100 et de réduire 210 nœuds, alors moi faut m'expliquer parce qu'une décélération d'un coup brutal à 210 nœuds c'est formellement impossible. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en 787, déjà quand vous sortez les speed brakes, en fait plus vous descendez, plus votre vitesse accélère. Ce qui paraît logique. D'accord ? C'était le phénomène de la F447, d'accord. Donc la F447, on vous avait expliqué que plus vous montez en altitude, plus vous perdez de la vitesse. Plus vous descendez, plus vous gagnez de la vitesse. C'est un phénomène de physique, d'accord. Donc en fait, pour certains contrôleurs qui ne savent pas contrôler, malheureusement, c'est super simple en fait. Je veux dire, tu donnes une instruction à quelqu'un de descendre au niveau unité 0-0. Ça là-dessus, j'ai très bien suivi. Après, j'ai réduit calmement ma vitesse. Mais en fait, je pense qu'ils étaient pressés. Je sais que je n'étais pas tout seul à arriver sur, en provenance d'Incheon. Je m'en doute. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que là, s'être précipité comme ça, avoir donné une instruction hyper rapide, la sécurité n'était pas de mise. Alors, heureusement que j'ai pu rattraper le coche. Heureusement que j'ai pu rattraper aussi le tir. Parce que je me suis dit, ça va mal finir. En soi. Au niveau de l'événement, alors au niveau de la concordination de l'événement, bien, j'aurais plus aimé qu'il y aurait moins de contrôle en Chine, histoire d'être un peu plus tranquille. Alors on a eu du contrôle hein, du début à la fin de l'événement, ça c'était très bien en soi. Ça là-dessus j'ai rien à dire au niveau de l'organisation. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pas sur Incheon et j'espère vraiment que sur mon plan de vol aller quand je vais faire Zurich... Incheon et Incheon Zurich, j'espère juste qu'ils vont pas me casser les. Voilà. À modifier mon plan de vol, à me donner un autre plan de vol. Hein, parce que moi, ça va juste être. Ça va être réglé. Moi, je. Voilà, c'est vite fait, c'est calé. Voilà, moi, je suis. Voilà pour les annonces. En tout cas, je remercie d'avance Swissair Virtuel de m'avoir. Autorisé à rejoindre leur VA, je suis très très content, merci à eux. Merci à toutes les VA qui me suivent et qui aiment donc mes photos que je distribue sur Instagram, merci à vous tous. Et puis donc, bienvenue à ceux qui arrivent au sein de mon serveur. Et puis dernière petite chose, avant de terminer ce débrief, je sais qu'il sera extrêmement long. Par rapport aux règles de mon Discord, encore une nouvelle fois, ce sont mes règles. Moi je sais me détacher de certains grands youtubeurs français, qui vous propose du fric et de l'argent, malheureusement, et qui essaye de vous manipuler, et qui, voilà, hein, qui ne veulent pas vraiment vous dire la vérité, hein, sur ces sujets extrêmement sensibles qu'est YouTube. Maintenant, comme je vous l'ai dit, maintenant, moi, je ne touche rien en termes de commission. Moi, mon serveur, écoutez, il tourne avec mon Discord principalement, et avec ma chaîne, et avec mon Insta, précisément.
Jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de faux comptes qui ont été bannis. Donc, par rapport à ces faux comptes, je tiens à être très clair. Nous, on a appliqué des règles. Ceux qui ne veulent pas lire le règlement, et c'est pourtant ce qu'on a dit, et moi, je vais remodifier le bot de MI6, là, dans la soirée, pour faire comprendre aux gens, aux nouvelles personnes qui arrivent, que sur mon serveur, il y a des règles. Les règles, je vais inviter les gens à les consulter sur le www.discordapp.com/terms. Ça fait plusieurs fois que je dis à beaucoup de gens de lire ces règles. Il y en a qui ne veulent pas les lire, qui se comportent comme des autistes et comme des gamins. Moi, je ne veux pas me prendre la tête avec ces gens-là. D'accord ? Maintenant, au niveau de mes décisions, au niveau des choses, très clairement, alors, ceux qui sont passionnés pour l'aéronautique, qui sont les bienvenus. Mais ceux qui sont là pour foutre la merde, moi j'applique une dictature qui est juste infernale, c'est-à-dire que ceux qui sont là à me casser les pieds et qui sont là à et surtout à me salir la planche vis-à-vis des staffs et tout ça, moi je vais être très clair avec vous tous. Hein. Ceux qui font ça, moi c'est même pas la peine, je veux même pas travailler avec eux. D'accord ? Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça, par rapport aux annonces. Je sais, ça fait beaucoup d'annonces sur ce débrief, j'en ai bien conscience. Donc vous pourrez retrouver donc ce fichier, ce flight log, vous pourrez retrouver donc tout ça en téléchargement libre. D'accord ? Je vous invite aussi pour certains, et j'insiste lourdement aussi là-dessus, pour certains à télécharger le documentaire que je vous ai enregistré au sujet du vol de la Singapour 006, au sujet du vol de la Taipei. Pourquoi ? Parce que c'est un documentaire, ce documentaire vous explique donc les fautes de roulage et les fautes de pilotage, d'accord ? Donc pour certains qui ne veulent pas le lire, c'est pas mon problème, encore une nouvelle fois, moi je vous remettrai pas le lien en barre d'infos, vous vous démerdez, il est déjà en ligne sur d'autres vidéos, je vais pas le remettre. Voilà, moi j'estime avoir fait mon boulot, d'avoir sensibilisé les gens dans l'aéronautique. Il y en a qui ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit, tant pis pour vous. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Ok ? Voilà, en soi, pour cet événement, la prochaine fois j'attends du mieux de la part des contrôleurs donc du Japon. Parce que là, très clairement, ils m'ont déçu, mais très clairement déçu. Parce que c'est de l'incohérence, tu sais pas vers où tu vas, c'est tout et son contraire au niveau des informations. Même moi, à un moment donné, qui avait les cartes avec moi, j'étais complètement paumé. C'est-à-dire que je roulais dans la bonne direction, d'accord, les panneaux étaient bien indiqués. Hein. Mais alors, on m'a fait faire passer à des endroits, j'ai dit, mais putain. Et en fait, sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils me font ? Alors moi, je me suis fié à mon intuition, hein, donc c'est-à-dire que quand j'étais sur cette phase-là, je me suis fié à mon intuition, parce que là, la 15, là ici c'est la 16, donc la 15 doit être forcément de l'autre côté. J'avais bien raison. Donc, j'ai continué à rouler, je me suis dit, bon, ça c'est Taxiway Alpha, non, c'était le Taxiway Bravo. Et oui, je l'avais vu sur mes cartes, et là, je m'étais pas engagé sur le bon taxiway. Donc là, c'est une faute de ma part, j'en ai conscience. Donc ça, c'est une faute de pilotage toute bête. Ça là-dessus, ok. J'ai tourné sur Alpha, et sur Alpha, mais qu'est-ce qu'on m'a fait chier comme pas possible. Mais putain, mais quand je vous dis on m'a fait chier, c'est on m'a fait chier. C'est-à-dire qu'il y en a, oui, il faut aller sur Alpha 19. Merci, j'avais compris, t'as pas besoin de me le dire 15 000 fois, garçon. Et j'ai compris. C'est la Chine, malheureusement. Voilà, ce que j'avais à vous dire, ça là-dessus, au niveau du contrôle d'Incheon, voilà, et tout à péter, tout à revoir, parce que très clairement, il y en a qui n'ont pas du tout le niveau, et je les invite donc à péter, à revoir déjà l'approche, le centre en route, parce qu'il n'y a rien qui va. Et franchement, là-dessus, le contrôle d'Incheon, vous allez voir en replay, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, pourquoi on a toujours des indications contraires. On a eu des indications, moi honnêtement, j'ai eu des indications contraires, j'ai eu à un moment donné, mais ils se foutent de ma gueule. Je crois qu'ils sont en train de se foutre de ma gueule, littéralement. Donc voilà, donc très clairement, là-dessus, je suis très, très, très déçu de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu entendre. Et franchement, pour les contrôleurs, il y a beaucoup de choses à revoir. Et franchement, là-dessus, moi, je m'attendais pas à autant de désordres. Au niveau du plan de vol, voilà, je vais pas en parler parce que voilà. À un moment donné, j'étais même perdu, pour vous dire. Pourtant, je sais manipuler un FMC. Hein. Mais alors, à un moment donné, vous aviez tout et son contraire. Ils vous renvoyaient des plans de vol tous les 5 minutes.
Mais les mecs, arrêtez de m'envoyer un plan de vol toutes les 5 minutes. Mettez-vous d'accord, parlez-vous, faites-vous une réunion. Voilà, c'est ça, savoir contrôler. C'est pas comme... c'est pas... Enfin, là, j'ai pas compris. Alors, moi, ce que j'ai voulu éviter à tout prix, parce que ce que j'ai voulu éviter, je vous montre. Ce que j'ai voulu éviter, c'est d'aller dans la région de Pékin. Pourquoi ? Bah, la région de Pékin, en fait, très clairement, normalement, la route me faisait monter là et me faisait en fait passer donc par la Mongolie et redescendre par la Chine. Alors, très clairement, en fait, j'ai pas voulu passer par là. J'ai voulu plus passer en fait en vertical, d'accord ? Mais alors, il faut. Alors, là aussi, on m'a dit, oui, mais monsieur, en fait, votre route que vous avez envoyée n'est pas bonne. Alors, pourquoi ça a été autorisé par le contrôleur Delivery ? Il suffisait juste d'aller sur SkyVector et d'allumer juste PFPX, Professional Flight Planner X. Je vous le rappelle que vous pouvez le télécharger sur Internet là-dessus. Ça vous fait vos plans de vol. Et sur SkyVector, il suffisait juste de prendre ma route, de regarder. Et ben, il y en a qui sont pas foutus, qui sont pas capables de regarder. Et putain, enfin moi, à un moment donné, mais bordel, mais je me dis, c'est pas possible. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais le débrief, c'est extrêmement long. Oui, mais en termes de débrief, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, certes, mon atterrissage n'était pas correct. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je vais être très clair là-dessus. Vous allez râler pour certains. Vous allez vous dire, mais pourquoi t'as piqué autant, machin, truc, tout. Tu critiques les autres, mais t'es pas mieux. Alors, là-dessus, je vous avouerai que là, aujourd'hui, j'étais très clairement déçu. Vous inquiétez pas, il va y avoir du mieux. Voilà, maintenant... Honnêtement, sur l'intégralité de l'événement, bien pour les contrôleurs du Pakistan, bien pour les contrôleurs de Dubaï, de Mascate, mais attention, parlez-vous, c'est très important de vous parler, parce que si vous parlez pas, bah c'est vous à l'échec pour certains. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Rendez-vous, quant à nous, le 16 août 2020 à Zurich, pour ce premier event et ce premier vol en partenariat avec la Swissair. Et en partenariat donc avec AnyBuild et avec donc les contrôleurs donc de Vatim Swiss et donc Vatim qui nous fait l'honneur et le plaisir donc de faire ce vol en 787. Oui, parce que les 777, bah, on va plus les utiliser, hein, on va utiliser que les 787, 777. Voilà, pour cette destination, bon, il n'y avait pas forcément besoin. Mais bon, voilà. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve, bah, quant à nous, le 16 août à Zurich. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon week-end. Salut tout le monde, ciao!